belle journée pour partir à la découverte. Eh bien, bonjour, mon nom est Danny Bérubé. Bienvenue à l'émission « Partir à la découverte ». Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir un beau coin du pays. On va aller faire le tour des îles de Sorel. On va vous faire découvrir ça. On va le découvrir nous aussi parce que on a été chanceux, on s'est fait inviter par le biophare qui nous a invité les gens de CTB-TV à découvrir les îles de Sorel et aussi le biophare qu'on va voir un petit peu plus tard. On est comme vous, on suppose qu'on s'en va. C'est nouveau, c'est une découverte, fait qu'on vous amène avec nous pour aller faire le tour des îles. Alors, comment on va procéder? Là, je suis en présence de notre directrice de biophare, Mme Anne-Marie Dulude, qui est aussi biologiste. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous notre randonnée, notre excursion en ponton. Combien de temps ça va durer? En fait, c'est pas un ponton, je m'excuse de te reprendre. Ah non, c'est parfait. Non. C'est okay. Parfait. OK, c'est un pneumatique, un peu comme les bateaux quand on fait des excursions dans l'estuaire pour voir les baleines. C'est le même type d'embarcation. Ça nous permet d'aller dans les tout petits chenaux dans l'archipel du lac Saint-Pierre, donc ils sont très peu profonds. On va aller découvrir une faune et une flore abondante dans l'archipel du lac Saint-Pierre, mais on va aussi voir des chalets sur pilotis, comment les gens vivaient sur les îles. Et on va découvrir le pays du survenant aussi, là, dans le chenal du Moine. Mais comme vous m'avez dit, c'est pas un ponton, c'est un zodiac, c'est bien ça? C'est un zodiac. C'est moi qui suis trompé, hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Fait que donc, ça va durer quoi, à peu près deux heures? Trois heures. Trois heures, notre excursion? C'est grand, le territoire, hein? Donc, on en fait une toute petite partie seulement, mais juste se rendre à l'île de Grâce, après ça, dans le chenal du Moine. Puis quand on est dans les petits chenaux, il faut aller plus lentement pour éviter de faire l'érosion des berges. Donc, puis pour un peu être plus en contact avec la nature. Donc, ça dure trois heures l'excursion en tout. Merveilleux. Fait qu'on fait trois heures en excursion. Après ça, on s'en vient ici parce que au biophare, merci, il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. Fait qu'on va faire le tour ensemble et vous allez nous expliquer tout ça. On va aller voir les expositions, c'est ça. Merveilleux. Alors, on y va parce que le bateau est prêt, il attend après nous, puis on se retrouve sur l'eau. Bienvenue à bord de Randonnée Nature. C'est un plaisir puis c'est un réel privilège de recevoir les gens de CTB-TV. De Saint-Gabriel, on sait que c'est ça, vous êtes les gens du Nord. Puis avec Anne-Marie Dulude, notre directrice générale du biophare, bien, on vous amène faire une belle excursion aujourd'hui dans l'archipel du lac Saint-Pierre. J'ai quelques petites histoires que vous pourrez évaluer et dire à un moment donné, valider comme étant des histoires de capitaine. Il faut trop qu'on ait une couple d'histoires de capitaine parce que sinon, on ne mériterait pas le titre. Et tout de suite, en arrivant sur le Saint-Laurent comme ça, bien, je voudrais faire un test. Même Michael, tu peux participer aussi à la caméra, si vous avez la réponse. Pourquoi on appelle ça le fleuve Saint-Laurent? Je vous demanderais de ne pas tout crier en même temps. Très, très bonne question. Pourquoi on appelle ça le fleuve Saint-Laurent? OK. Est-ce qu'il y en a qui pourraient tenter une réponse? Je suis sûr que ça vous brûle les lèvres de dire « Jean-Pierre, oui, dis-nous-le ». À cause de M. Saint-Laurent. Et c'est pas pire, c'est une bonne hypothèse. C'est que Jacques Cartier est arrivé ici en 1535, son deuxième voyage, quand on sait que la première fois, il était arrivé en 1534. Mais la deuxième fois qu'il est revenu, l'année d'après 1535, il est arrivé, il a monté jusqu'à un endroit que je pense que vous avez peut-être vu avec Anne-Marie tantôt dans le biophare. On va le revoir tantôt. Et il est arrivé dans le golfe le 10 août. Le 10 août, en l'occurrence, c'est la fête de Saint-Laurent. Donc là, ça nous donne la raison pourquoi Jacques Cartier avait appelé ça le Saint-Laurent. Mais ça a pris beaucoup, ça a pris plusieurs années avant que ça devienne comme l'appellation officielle, parce que les Autochtones qui circulaient sur le fleuve avant l'appelaient Mactoctoec, qui voulait dire le chemin qui marche. Et après ça, ça s'est appelé la Grande Rivière du Canada. On l'a appelé de plusieurs façons, mais c'est Champlain, dans ses écrits, quand il est revenu autour de 1600, qui, à un moment donné, s'est devenu dans sa cartographie officielle, qui l'a appelé le fleuve Saint-Laurent. Mais qui était Saint-Laurent? Encore une fois, je vais vous laisser la chance de répondre. Ça parle pas fort. Donc, Saint-Laurent a vécu et est venu au monde en 220 après Jésus-Christ. Et à cette époque-là, c'était... l'empereur Valérien qui était là. C'était à peu près à la limite de l'Espagne et de la France. Et il y avait un pape qui s'appelait Sixte II. Et l'empereur Valérien avait des différends avec les gens de la chrétienté, avec les catholiques.
Et à un moment donné, il avait besoin d'argent pour faire la conquête de territoire. Donc, il a dit au pape Sixte II, à Lorenzo, à son Saint-Laurent, « Alors, tu vas me donner les biens de l'Église catholique. » Et le plus fidèle disciple du pape Sixte II, c'était Saint-Laurent, c'est-à-dire Lorenzo. Il a dit « Non, moi, je ne donne pas ça à l'empereur. J'ai décidé de tout dilapider et de donner ça aux pauvres. » Alors, l'empereur a décidé de passer le pape Sixte II sur le grill, c'est-à-dire de le passer au bûcher. Et Lorenzo ou Saint-Laurent était très triste de ça. Il dit « Moi, je vais me faire griller moi aussi. Y aller avec le pape. » Donc, l'empereur, très généreux, dit « Il n'y a pas de problème, on va te passer sur le grill, on va te faire de la place toi aussi. » Et on nous a dit, et ça, vous pourrez le dire, c'est le capitaine Marchand qui m'avait conté ça, j'ai été voir, et c'est vrai, que quand ils ont passé Saint-Laurent, Lorenzo, sur le grill, au bout de 15 minutes, il a dit « Je sens que je suis assez grillé sur ce bord-là, j'aimerais ça que tu me revires de bord pour être grillé sur les deux bords. » Et ça, j'ai été voir parce que je disais, ça, d'après moi, c'est une histoire à Yves, ça, mais j'ai été vérifié et effectivement. Donc, Saint-Laurent, en plus de donner son nom au fleuve, est devenu le patron des rôtisseurs. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un coin dur? Et pelage, effectivement. Donc, c'est l'histoire de Saint-Laurent et je suis presque gêné de compter ça à CTB TV, mais allez valider puis allez voir si cette histoire-là, c'est pas juste une histoire de capitaine. Dans le Chenal du Moine, le pays du survenant, c'est ce qui a inspiré Mme Guévremont. Ça vient d'où le nom, le Chenal du Moine? Le Chenal du Moine, ça date du début de la colonie. Il y a deux hypothèses. Soit que ce soit le moine Anne de Noue qui faisait la messe à Trois-Rivières et à Sorel, qui empruntait ce chenal-là, soit c'est une autre hypothèse, c'est un monsieur Lemoine qui possédait des terres, qui, en son honneur, qu'on aurait donné le nom de Chenal du Moine. Mais on connaît surtout le Chenal du Moine à cause de la série télévisée. C'est une des premières séries télévisées à la télévision là, de Radio-Canada, Le Survenant, qui a été fait à partir des romans Marie Didas et Le Survenant de Mme Guévremont. On va voir une belle exposition là-dessus tantôt au Biophare. Oui, on a créé une exposition qu'on dit itinérante. Une exposition qui est présentée dans différents musées, mais c'est notre création au Biophare. Elle est présentée en ce moment jusqu'en octobre au musée, ici à Sorel, où on met en valeur la femme qui était Mme Guévremont, la romancière, mais elle a été aussi journaliste. Elle a même été correspondante pour le journal De Gazette. C'est une femme qui était parfaitement bilingue. Elle vient d'une famille qui était très axée sur la culture. Son père était un avocat, mais qui aimait faire de la poésie. Du côté de son père, qui était un Grignon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Claude-Henri Grignon, c'était son cousin. C'est le cousin de Mme Guévremont, donc qui a écrit « Un homme et son péché », les belles histoires des pays d'en haut. Puis, il y avait deux oncles qui écrivaient aussi à l'époque. Sa mère était, je trouvais ça très, très moderne pour l'époque. Elle aimait la peinture. Elle partait suivre des cours de peinture à Montréal en train, parce que Mme Guévremont venait de Saint-Jérôme. Elle ne venait pas de la région ici. C'est son mari qu'elle a rencontré à Ottawa. Monsieur Guévremont, qui demeurait dans la région de Sorel. Quand Mme Guévremont est arrivée à Sorel, elle s'ennuyait de ses montagnes, elle était bien désespérée. Il y a une tragédie qui s'est passée dans sa vie, aussi elle a perdu un enfant de la méningite en bas âge, donc elle était très dépressive. Et c'est son beau-frère,
qu'on dit qui est une source d'inspiration pour le personnage de Survenant, son beau-frère qui était journaliste, un bel Hollandais, qui lui a dit qu'elle devrait se lancer dans le journalisme. Elle avait déjà écrit pour certains journaux, mais là, elle a été correspondante pour De Gazette. Et toutes ces rencontres qu'elle a faites, Mme Guévremont, pendant sa carrière de journaliste, a nourri son imaginaire. Et tout ça a servi à créer son fameux personnage du grand dieu des routes, le Survenant. Fait qu'on devrait le voir apparaître bientôt, notre Survenant, là. On va prendre un petit bout encore, là, parce que là, il faut aller très lentement dans le Chenal du Moine. Mais ce qu'on a à notre gauche, c'est l'île du Moine, qui est une immense île. Ce qui est particulier de ça, c'est qu'on, c'est là qu'on retrouve les plus vieux chalets. Quand on voit des chalets, là, M avec un numéro, ça veut dire... pour Moine, Île-du-Moine. Ça fait partie de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. L'Île-de-Grâce aussi fait partie de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Alors, on a toujours une lettre qui représente le nom de l'île plus un chiffre. Et à l'autre, dans le milieu de l'île, on a une commune. Anciennement, il y avait des pâturages communaux. Ça, c'est dans le temps des seigneuries françaises. Ça, c'est vraiment au début de la colonie. Les seigneurs mettaient à la disposition des censitaires des îles comme ça. Donc, les gens traversaient leurs animaux sur l'île pour les mettre en pâturage pendant tout l'été et les reprenaient à l'automne. En échange soit de d'essence, donc de l'argent qu'ils payaient au seigneur, soit ils donnaient une partie de leur récolte au seigneur. Donc, il y avait en tout 5 seigneuries autour du lac Saint-Pierre. Il y en avait une à l'île du Port aussi, l'île du Milieu. Puis, il y en a encore une commune, l'île de la Commune. Il y a un petit, il y en a encore. Ici, la commune de l'île du Moine existe encore. C'est un regroupement d'agriculteurs. Ils ne mettent plus d'animaux en ce moment là, sur l'île. Ils vont cultiver les terres. Mais il y a quelques années, ils traversaient encore des jeunes vaches sur l'île. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit des vaches qui demandaient d'être traites, donc de subir la traite, mais c'était des jeunes vaches qui étaient en pâturage tout l'été parce que les terres étaient riches puis parce que c'était moins exigeant pour l'agriculteur. Le petit bac jaune, le petit bac avec en jaune, là, c'est un bac qui servait à transporter les bêtes au printemps pour les amener sur l'île puis les reprendre à l'automne par les agriculteurs qui sont membres en ce moment d'un regroupement. Son mari avait hérité de son père. C'était Lilette Aupé, c'était là où ils faisaient paître leurs chevaux. Et Mme Guévremont, elle avait tellement un coup de cœur pour... Elle aimait ça voir son île du Moine juste en face, puis ça l'inspirait. En fait, elle n'a pas écrit Le Survenant ici, mais elle a écrit la version télévisée.
de son roman Le Survenant et Marie Ditas, dans son chalet ici à Lillette-Aupé. Son petit-fils, que j'ai eu la chance de connaître, m'a dit qu'il venait souvent ici. Elle aimait beaucoup pêcher, Madame Guévremont. Son mari, c'est un chasseur de canards, mais elle aimait beaucoup pêcher. Puis il racontait qu'il entendait sa grand-mère pleurer. Un matin, il s'était réveillé dans le chalet, puis il entendait sa grand-mère pleurer. Puis il se demandait qu'est-ce qu'elle avait. Puis il est allé voir sa grand-mère. Il a dit « Qu'est-ce que t'as, grand-maman? » Puis elle dit « Oh, je viens de faire mourir le père Didas. » Fait qu'elle est en train d'écrire le dialogue dans la série télévisée où le père Didas mourait. C'était son personnage préféré, le père Didas. Donc, c'est une anecdote que son petit-fils m'a racontée. Lui, il l'a connu jusqu'au début de la vingtaine. Donc, il a passé tous ses étés ici. Et Mme Guévremont aimait beaucoup être tranquille ici. Pour aller sur cette petite île-là, qui est à côté de l'île aux fantômes, il y avait une passerelle. Donc, il fallait passer par une passerelle. Et il y a des gens, c'était tellement populaire, la série télévisée, qu'il y a des gens qui venaient la voir. Ils disaient, c'est moi la source d'inspiration. Il y a une boiteuse, à un moment donné, qui était venue la voir pour dire que c'était elle qui l'avait inspirée pour le personnage d'Angelina Desmarais. Tout le monde voulait être au goût du survenant. Même le curé disait qu'il avait été une source d'inspiration pour le personnage du survenant. Fait que c'était une émission très, très populaire à la fin des années 50, jusqu'à 60, je crois, qu'elle a passé à la télévision. Donc, c'est l'univers de Mme Guévremont. Toute son œuvre à Mme Guévremont, romanesque, a été inspirée de cet environnement-là, de la vie dans les îles, la chasse aux canards, la pêche, tout cet environnement-là particulier des îles dans la région de Sainte-Anne-de-Sorel. Voir la végétation de près, les quenouilles, les nymphéas. Il y a les fameuses sagittaires, là, qui ont la feuille en forme de flèche qu'on appelait la patate de marais, que les autochtones, ils mangeaient le bulbe qui était dans les sédiments. Mais c'est une plante qui est caractéristique. Et aussi, c'est une plante, ces plantes-là filtrent l'eau. Donc, ça, c'est comme une usine de filtration d'eau à l'état naturel, ces plantes-là. Donc, un des rôles importants que jouent les milieux humides dans l'archipel du lac Saint-Pierre, c'est de purifier l'eau du Saint-Laurent. Ah, un beau canard! On voit un beau canard, là. Parmi les plantes aquatiques. Jean-Pierre, ça fait combien de temps que tu es capitaine de bateau? C'est ma deuxième année au service du Biophare. C'est ça, c'était sur l'aimable invitation de mon amie Anne-Marie, qui, à l'automne 2021, m'a dit qu'elle m'avait inscrit au centre de formation maritime à Saint-Romuald. C'était une belle surprise. Elle m'a dit « T'es capable, tu vas aller passer le cours. » Mais vous aviez déjà conduit un bateau avant, là. Oui, c'est ça. J'avais navigué sur la traverse des îles comme matelot depuis 2016-2017. Toujours une passion, une passion nautique, aller à la pêche, des embarcations de plaisance, mais tout ça. Mais avec le vrai cours, c'est vraiment depuis 2021. OK. C'est ça, c'est... Anne-Marie m'a offert le plus beau décor que tu peux pas avoir pour naviguer, c'est-à-dire l'archipel du lac Saint-Pierre. Comment je te dois, Anne-Marie? C'est ça. Donc, c'est ça. C'est une belle expérience. Puis je te dirais qu'à toutes les sorties, on apprend. Comme ce matin, on a vu des images avec vous autres là, par rapport aux teintes du courant à la sortie du Chenal du Moine et tout ça.
C'est ça. C'est, Est-ce que vous avez plusieurs excursions par jour ici? Habituellement, il y a souvent deux excursions par jour. Il y a aussi les excursions avec les camps de jour. Ça va jusqu'à... Madame Duluc, ça va jusqu'au mois d'octobre, hein, à peu près. Pour les excursions? C'est ça, pour les excursions. On va jusqu'à temps où est-ce que c'est quand la température est clémente, là, où est-ce que c'est... et ça commence habituellement à peu près, je me trompe pas, à peu près à la mi-juin. Et est-ce que vous êtes le seul bateau qui fait ces excursions-là? Il y a un autre bateau, mais comme je vous disais tantôt, on peut pas. Il y a deux bateaux. Il y a trois bateaux qui font ça. La Maison du Marais, c'est ça. Et il y a aussi, qui ont un ponton, il y a Statera. Mais comme pour avoir l'accès dans les petits chenaux, comme ça, il y a juste le bateau de randonnée nature qui peut venir où est-ce que, comme vous voyez, très faible profondeur, mais c'est dans des... comme je vous disais, c'est dans des images wow, là. Oui, c'est de toute beauté. Puis là, est-ce que je peux voir là, sur vos... on voit qu'on est à 5 pieds, là, en ce moment. Là. Exactement. C'est 5 pieds. Et ça peut baisser beaucoup plus que ça, parce qu'on sait que le niveau du fleuve est très haut à cause des pluies qu'on a eues dans les derniers jours. Mais on a... habituellement, c'est plus autour du 2 pieds et demi, là, 2 pieds, 2 pieds et demi, quand on passe ici, dans ces canaux-là. Puis... Qu'est-ce que vous voyez justement, Dany, en avant, c'est que quand on parlait de Germaine Guévremont, moi, je trouve ça le fun, quand on arrive à ce point-là, ici, c'est quand on dit ni terre ni eau. C'est qu'on voit avec les grands herbiers, on ne pourrait pas débarquer sur la rive ici parce qu'on va avoir pas mal les pieds dans l'eau. Et en même temps, tu n'es pas tout à fait dans quelque chose de complètement navigable non plus, là. C'est... Voilà. Très, très beau paysage. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Fait que là, on s'en va. On retourne vers le Biophare. Oui, tranquillement, pas vite. Est-ce que j'aime tout le temps faire ça sur le bateau? Est-ce que parmi tous nos passagers, quelqu'un pourrait nous indiquer la direction de Sorel ici? On va voir. Est-ce que vous avez une autre question? C'est peut-être. Vous la reconnaissez sûrement, j'étais avec Louise. Louise qui répond souvent au téléphone au bingo le samedi matin. Louise, comment t'aimes ton excursion? C'est vraiment merveilleux, c'est beau. On voit la nature, c'est immense et de toute beauté. C'est beau, hein? On découvre plein de choses. C'est vraiment un milieu naturel. On croirait pas ça si proche de Montréal. Oh que non! C'est vraiment bien, là. Je regarde, on voit des oiseaux, on voit des sortes de... de l'Héron, on voit on a des belles îles, puis c'est vraiment bien. Notre capitaine a décidé de prendre une petite pause en ce moment, fait qu'on a notre capitaine remplaçant, Gilles Comeau, qui a décidé de prendre la barre. La relève. On se sent en sécurité. On se sent en sécurité. Et puis, M. Comeau, comment est-ce qu'on se sent, capitaine de bateau? Bien, ça rappelle des souvenirs, parce que plus jeune, j'ai fait pas mal de navigation sur le lac Masquinongé, surtout. Mais surtout, on avait... Mon père avait deux clubs de pêche qui faisaient partie. Et puis, il y avait des assez grands lacs là, là-bas aussi. Là. Alors, ça rappelle des souvenirs d'être en bateau. Là. Fait qu'on est à l'aise derrière un volant, là. Oh oui, j'en ai fait déjà, mais ça, c'est... ça fait quelques années déjà. Notre excursion est déjà terminée. Ben oui, on arrive au port, hein? On arrive au quai déjà. Eh bien, c'est ici que se
termine notre première partie d'émission. J'espère que vous allez être de retour pour notre prochaine émission, parce que la deuxième partie, on va aller visiter l'intérieur du biophare, exactement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours biodôme dans la bouche. C'est le biophare avec Mme Anne-Marie Deslisle. Eh bien, on tient à remercier beaucoup notre capitaine de bateau. Hein? Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Gagnon. Merci beaucoup aussi à Anne-Marie Dulude. C'est-tu bien ça? L'as-tu bien dit? J'ai dit Deslisle. J'ai beaucoup de difficultés avec les noms. Dulude. Bon, merci Anne-Marie. On se retrouve dans la prochaine émission. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, M. Comeau, comment vous avez trouvé votre excursion? Bien, c'est extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui est tout près de chez nous, qu'on connaît à peu près pas. Alors, j'espère que nous, on l'a connu, puis on va le faire connaître maintenant par nos émissions. J'espère que oui, parce qu'on doit dire qu'on a adoré ça. C'est extraordinaire. On entend tellement parler, bien, je suis né du moine, qu'on entend parler depuis tellement longtemps avec, justement, le survenant. Et puis les îles, on entend parler. C'est vrai que c'est mêlant. Ça prend quelqu'un qui connaît ça. Ça prend une carte pour se retrouver dans les îles. Eh bien, merci beaucoup. Hein? Puis, manquez pas la prochaine émission pour l'intérieur du biophare. Bye-bye tout le monde.